Non, mais c'est pas vrai, regardez-moi ce chantier. Tout le monde s'arrête et me regarde. Regardez autour de vous, par pitié. Ne me regardez pas, moi. J'ai pas envie de parler de moi. Ne me regardez pas. Regardez autour de vous. Vous voyez, la lumière est allumée. Vous êtes bien ici, au calme. Vous voyez des tas de choses tout à fait nouvelles. Est-ce que cela vous séduit ou vous trouvez cela atroce? Allez, soyez gentils, restez bien ensemble. Avancez, avancez. Pourquoi les gens viennent-ils au musée? Pourquoi délaissent-ils les fleurs à l'extérieur pour venir à l'intérieur et rester plantés devant des fleurs peintes? Ce ne sont pas que des fleurs peintes, mon ange, ce sont des œuvres d'art. Quelle est la différence? On dit que c'est une œuvre d'art lorsque... Non, ce que je veux dire, c'est que l'art, c'est... Bon, en fait, c'est... Andrew, dis-lui ce que c'est l'art. Oh oui, l'art, c'est... Si l'on peut dire, le moyen par lequel l'être humain tente d'expliquer son âme au monde. Ah, donc si le monde n'a jamais vu une œuvre artistique, alors ce n'est pas de l'art. Attends. L'art, c'est la manière dont le Seigneur exprime sa grandeur au travers de l'être humain. Oui, tu as raison, tu as raison. Continue. Et étant inspiré par Dieu, l'être humain veut donner une image de lui-même et de... Je sais. L'art est dans le regard de l'homme qui veut le voir. Par exemple, tu vois ce tableau, il est très... Oh, Seigneur. Ah, il est très... réaliste. C'est peut-être la vision que le peintre a du vol et des ailes. Les chiens ne volent pas. Et peut-être que c'est ça qu'il essaie de dire. Je l'adore. Il me fait ressentir un tas de choses. Je suis triste pour l'homme qui est là, mais je suis heureuse pour le chien, parce qu'il va vivre une grande aventure. C'est ça. Allons voir plus loin. Il y a même des œuvres d'art en chair et en os. C'est fou le nombre de personnes qui se croisent dans un musée. Chacune a son histoire. Chacune peut changer la vie d'une autre. Il suffirait que cet homme parle à cette femme. Il suffirait qu'elle s'assoie à côté de lui une minute. Une simple décision a le pouvoir de changer toute une existence. C'est comme si le monde était une immense sculpture vivante mise en mouvement par le Seigneur. Vous savez, quelquefois les humains ont besoin d'avoir un ange dans leur vie. Quelques semaines, quelques mois... Et il arrive qu'il tombe un jour sur un ange et ça change tout. Comme toutes ces personnes qui se croisent au musée. Ce n'est pas une, mais trois missions que nous avons dans cette galerie. Alors qu'il est, ils ont l'air de trois étrangers. Mais une fois que chacun sera tombé par hasard sur un ange, eh bien, lorsque Dieu dessine l'esquisse, on ne sait jamais au final ce que sera le tableau. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk. D'entre vous ont-ils déjà vu des danseuses? Il y a longtemps, un homme, un peintre appelé Toulouse-Lautrec, a fait le portrait d'une danseuse. Regardez-la. Que fait-elle? Alors? Elle se repose.
Oui, est-ce qu'elle a l'air fatiguée? Est-ce qu'elle a l'air heureuse? Elle a l'air d'une fille qui n'a pas été choisie à son audition. Et Brooke n'a pas seulement vu comment elle a aussi vu ce qu'elle ressent. Aujourd'hui, quand vous peindrez à votre tour, il ne faudra pas seulement peindre des choses, mais aussi les émotions que vous ressentez. Recule! Recule d'un mètre! Ne t'approche pas à moins d'un mètre de ce tableau, fiston. Oh, oh, désolé. Il faut faire attention au tableau, surtout à celui-là. Thomas Buckner. C'est un très beau tableau. Oui, madame, et nous tenons à ce qu'il le reste. Je me demande à quoi elle pense. Est-elle fatiguée comme la danseuse? Est-elle en train de réfléchir à son avenir? Possible, madame. Elle a un air curieux, tendre, innocent. Vous avez dû passer un temps considérable à contempler cette œuvre. Je le fais depuis 30 ans. C'est ce qu'il y avait de plus agréable dans ce travail. Vous est-il jamais venu à l'esprit que vous aviez peut-être passé un peu trop de temps avec des portraits de gens, au détriment des vraies personnes de chair et de sang? Oh, Bud, c'est ce soir votre réception? Oui, madame. Nous commencerons vers 5h moins le quart. Nous ne voulons pas vous retenir votre dernier jour. Je vous en suis reconnaissant. Après 30 ans, on n'a pas envie de traîner ici après la fermeture. 30 ans? C'est toute une vie? Oui, madame, toute une vie. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, mademoiselle, vous ne pouvez pas les installer là. Mais on m'avait dit que je pouvais, alors je... Non, c'est interdit. Bud, non, laissez, ça fait partie de notre nouveau programme éducatif. N'est-ce pas suffisamment éducatif de regarder les peintures? Ce sont des enfants doués qui ont d'étonnantes aptitudes pour l'art. Regardez. Bonjour, les enfants. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis madame Weinstein, la directrice de ce musée. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. L'un de vous peut-il me dire ce qu'il y a de particulier dans ce magnifique tableau? Il y a un grand champ de fleurs. Oui. Voyez-vous autre chose? Oui. Les rayons du soleil sur les fleurs. Les fleurs sont toutes les mêmes, mais la lumière change, elle n'est pas pareille là et sur le côté. Oui. Ce peintre, un homme appelé Monet, était fasciné par la lumière. Il voulait peindre les mêmes choses à différentes heures de la journée pour voir comme la lumière change notre façon de les voir. C'est excellent, mon petit. Bon, amusez-vous bien, futurs grands artistes. Merci, madame. Ne vous inquiétez pas, ils sont fantastiques. Oui, madame. Bon, donc nous vous attendons à 16h45. Oui, madame. Ils ont organisé une fête pour votre départ en retraite? Oui. Vous vous levez un matin et vous réalisez que ce jour-là, à 5 heures, c'est toute votre vie qui va changer à jamais. Ce sera peut-être une bonne chose. Vous aurez plus de temps pour vivre, vous amuser, voir vos amis. C'est la seule amie avec qui j'ai envie d'être. La seule avec qui vous avez envie d'être? Ou la seule que vous n'ayez jamais eue? Je t'ai eu. Excusez-moi. Quelle jolie nuance de rouge. Jared, lève-toi, assieds-toi là. C'était un accident. Ça n'était pas un accident. Et tant que je serai là, je ne veux pas d'accident. Surtout pas. Merci, madame. Je n'ai fait qu'être au bon endroit au bon moment. Nous avons eu de la chance. J'appellerai ça autrement. Mesdames et messieurs, nous allons devoir déplacer votre quartier général. Veuillez ramasser vos affaires et vous installer là-bas vers l'art contemporain. Je suis désolée, ça ne se reproduira plus. Dans la galerie consacrée à l'art moderne, un pavé de plus sur une toile ne fera aucune différence. Bien, les enfants, allez, on se dépêche. Vous prenez votre matériel et vous me suivez. Est-ce que ça va? Oui, pourquoi? Je vois bien que quelque chose vous tracasse. J'espère que la suite de la visite vous plaira, madame. Vous
C'est quoi, ton avis? Un gros bourdon sous un microscope. Ils l'ont peut-être pas mis dans le bon sens. Ça changerait pas grand-chose. Jaune, noir et un petit quelque chose entre les deux. Pardonnez-moi, à votre avis, que signifie cette petite bosse? Est-ce que c'est plus de noir ou moins de jaune? Vous analysez. Arrêtez d'analyser et regardez. Dépêche-toi, tu traînes. Ouais, viens. Tu viens, Morgane, c'est par là. Il a vu quelque chose qui lui plaît, on dirait. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faut-il que ce soit quelque chose? C'est tout. Ah, mais c'est si complexe, l'art moderne, je ne suis pas sûre de tout comprendre. Moderne? Il n'y a pas d'art moderne. Rembrandt est moderne, il y a seulement l'art. Mais quand je ne comprends rien, j'essaie. Vous vous posez les mauvaises questions. Les mauvaises, c'est-à-dire? Demandez-vous, est-ce que ça m'émeut? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me donne une nouvelle vision des choses? Est-ce que ça me fait réfléchir d'une façon nouvelle? Je n'en sais rien. Eh bien, si ça ne vous fait rien, c'est que ce n'est pas de l'art. Votre jugement est très sévère. Il faut qu'il le soit. Autrement, on verrait n'importe quoi suspendu à ces murs. Des choses telles que celle-ci, par exemple. Vous n'aimez pas cette toile? Oh, c'est une misérable croûte. C'est un affront aux vrais artistes qui essaient, en toute sincérité, de créer quelque chose de neuf. Vous parlez comme si vous l'étiez, vous aussi. Je le suis. Antonio Gaudi, le Brésilien. Et je n'ai aucun rapport avec Gaudi, l'architecte espagnol que vous connaissez sans doute. Et quel genre de peinture fait le Brésilien Antonio Gaudi? Ce genre-là. Vous aimez les impressionnistes? J'en sais rien, oui, j'aime bien. Ça autant qu'autre chose, mais... La vérité, c'est que je suis entrée ici parce que j'avais froid. Il n'y a pas de mal à ça. Il fait un froid de loup dehors. Ça mord. Mais c'est agréable d'être réchauffé par le grand art. J'adore les impressionnistes. Ils m'ont toujours fait chaud au cœur parce que leur monde est toujours si ensoleillé, si plein de lumière. Ils vivaient sûrement pas dans le Queens. Non, mais le Queens, c'est pas si mal, Constance. Vous connaissez mon nom? Oui, parce que je vous connais, Constance. Je vous connais même très bien. Je connais votre rythme cardiaque, votre pression sanguine, vos cellules de moelle osseuse et vos veines et vos ventricules et toutes ces séances de rayons et tous ces scanners. Et ces cellules cancéreuses, essaimant depuis votre foie jusque dans tout votre corps. C'est mon médecin qui vous l'a dit, vous le connaissez? Non. Je sais que vous allez mourir. Oui. Je le sais que depuis aujourd'hui, comment pouvez-vous le savoir? Je suis l'ange de la mort. Je suis désolée, je me sens pas très bien. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Je suis un ange, Constance. Envoyé par Dieu. Et il faut que j'y aille, excusez-moi. Vous dites la vérité. Vous êtes l'ange de la mort, je le sais.
sur cette terre, ainsi que sur l'onde, on dit que tout suit les caprices du sort. Trois aveugles mènent le monde, l'amour, la fortune et la mort. C'est intelligent, mais est-ce de l'art? Vous ressemblez à un personnage de Kipling. L'allure martiale, l'air imperturbable. Et ce que j'aime, j'y tiens. Et on dirait que vous tenez à ce tableau et à ce qu'il évoque. Oui, madame. Une douce et jolie petite fille dans une robe blanche tenant un bouquet de fleurs. Elle vous fixe du regard jusqu'au fond du cœur, comme si elle savait que c'est là que vous êtes. Je n'ai jamais vu un tel regard. Je ne me trompe pas, vous avez été dans l'armée? Oui, madame. Au Vietnam? Vous êtes allée au combat? C'est une chose dont je n'ai pas envie de parler, madame. 30 ans dans un musée, c'est un endroit idéal pour éviter d'avoir à parler. Excusez-moi, madame, je dois aller voir ce qui se passe. Alors, d'où venez-vous? D'où venez-vous? Dites-le, de quelle planète? Regarde, ils sont vrais. Va les reposer, Jacques. Je voudrais une réponse. Répondez-moi, de quelle planète venez-vous? De tout ce que j'ai pu peindre, c'est cette toile qui m'a donné le plus de mal. Et pourquoi? Je n'avais aucune attention à la peignant, aucune pensée. Je n'ai fait que me laisser aller. Même cette petite bosse, je sentais qu'elle était nécessaire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai peint ça. Et c'est accroché là. La plus connue de toutes mes toiles. Quelle cruelle plaisanterie. Et est-ce que toutes vos toiles sont aussi... minimalistes? Pas les précédentes. Vous savez ce que Picasso disait? Lorsque j'étais enfant, je pouvais dessiner comme Raphaël. Mais il m'a fallu toute une vie pour savoir dessiner comme un enfant. Vous faites des toiles réalistes aussi? Mais oui, ça c'est à la portée du premier venu. Regardez-moi. Quel est votre nom? Monica. Vous savez, j'ai pas beaucoup d'éducation. Moi, j'ai que ma foi en Dieu. Je vais vous dire un secret. Dieu non plus n'a pas fait d'études. Vous savez, l'éducation peut aider à faire son chemin en ce monde, mais c'est la foi qui vous guidera dans l'autre. Et moi, j'ai la foi. Oui. Vous vous rendez compte? Le premier ange que Dieu m'envoie, c'est l'ange de la mort. Je vais mourir aujourd'hui, déjà? Non. Mais ce jour est important. Vous voyez, Dieu a pensé que s'il vous faisait savoir là, maintenant, qu'il y a un ange qui veille sur vous, alors vous seriez prête quand nous devrons nous revoir. Avec le cancer, les choses durent longtemps. Oui, j'ai peur que oui. Je vais souffrir. C'est possible. Ça, ça fait rien. Ça m'est déjà arrivé de souffrir. Mais je suis une femme forte. Oui, c'est vrai. Souffrir, c'est pas ce qui m'inquiète. Qu'est-ce que c'est, alors? C'est ma famille. Qu'est-ce qui va leur arriver après? Si je les quitte, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous savez, je vends mes pâtisseries à midi aux hommes d'affaires dans la rue. Comment on va se débrouiller si je rentre plus cet argent? Comment je vais payer l'hôpital? Faudra bien le payer. Qu'est-ce que ma famille va devenir? Ils seront tout seuls. Ils pleureront une femme merveilleuse, c'est certain. Je dois faire quoi, moi, maintenant? Je sais pas ce que je ferai demain. Je sais même pas ce que je vais faire de la prochaine demi-heure. Moi, j'ai une idée pour la prochaine demi-heure. Vous êtes entouré de splendeur. Et vous avez besoin de trouver la paix. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens viennent ici. Alors, allez faire un tour. Regardez les peintures. C'est sûr que je ne mourrai pas. Votre peinture... Papa, s'il vous plaît, gardez la tête droite. Si vous avez peint cette toile sans savoir pourquoi,
Il est possible qu'elle vous ait été inspirée par... Par quoi? Par Dieu? Par une muse? J'ai peint ce tableau parce que je le devais, c'est tout. Je devais peindre ça. Tout comme je dois dessiner ce... Regardez. Vous voilà. Oh, c'est magnifique. C'est banal. L'art, le vrai, est dans la sélection, la simplification. Vous enlevez tout le superflu et ne conservez que ce qui est absolument essentiel. Voilà. Ça vient. On commence à saisir la substance des choses. Oh oui, oui, c'est toujours moi, c'est étonnant. Je voudrais capturer autre chose. Il y a une sorte de lumière en vous qui... Une intensité que je ne peux définir. Je voudrais traverser, passer au-delà de l'image et atteindre votre essence, passer au-delà de la réalité et atteindre votre âme. Le cœur de votre vérité. Pas le visage que vous avez, mais la vie en vous. J'imagine que vous n'y voyez que babillage d'enfant sans intérêt aucun. Vous regardez encore le monde avec vos yeux d'enfant. C'est là votre talent. Je peux regarder les autres. Ce ne sont que des croquis, des crayonnages. Ça n'a aucune valeur. Ah, mais il ne faut pas dire ça. Je suis sûre qu'il y a des choses extraordinaires là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Écoutez, je ne suis pas fou et je ne veux tuer personne. Je veux seulement détruire cette humiliation. Non, Antonio, vous n'allez pas faire ça. Monica, je suis venu ici chaque jour et assis là, j'ai regardé passer le monde, espérant en voir au moins un s'arrêter pour regarder cette toile et qu'il y voit quelque chose, l'expérience de quelque chose. Mais personne n'a rien ressenti, sauf l'envie de fuir en courant. Cette toile n'évoque de sincères et authentiques réponses que dans la raillerie. Et le ridicule. Ça ne vous donne pas le droit de détruire une œuvre d'art. Je ne peux expliquer ce que j'ai peint. Et si je n'y trouve pas de sens, comment quelqu'un d'autre en trouvera-t-il un? Parce que parfois, Dieu nous fait faire des choses que nous avons du mal à comprendre. Oh, Dieu encore, la discutable source de ma douteuse inspiration. Dieu a inspiré Michel-Ange et Léonard et Raphaël. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas Antonio Gaudi? Pourquoi pas vos œuvres d'art? C'est bien tout le problème, Monica. Ça n'a rien d'une œuvre d'art. C'est une erreur indigne et je vais tout de suite la corriger. S'il vous plaît, donnez-moi 15 petites minutes. Quoi, 15 minutes? Quelle différence ça fera? Parfois, 15 minutes entre de bonnes mains peuvent faire des miracles. S'il vous plaît, donnez-moi 15 minutes. De voir tous ces gens heureux et en bonne santé, ça fait mal. Je n'aime pas vous entendre dire ça. Ça me fait penser à toutes les choses que j'aurais voulu faire dans ma vie. Comme quoi? Rire plus. J'ai toujours été si sérieuse. C'est vrai, vous n'avez jamais eu le rire facile. J'étais folle de rage pour une simple assiette cassée ou un verre renversé. Pourquoi est-ce que je prenais les choses aussi mal? La première chose qu'on devrait nous apprendre, pas pleurer pour... Mais un verre de lait coûte de l'argent et vous n'en aviez pas à gaspiller? J'ai passé trop de temps à faire le ménage. J'aurais dû plus souvent poser le balai et aller danser. J'aurais voulu apprendre à jouer du piano. J'ai jamais vu le Grand Canyon. Il est encore temps. Je sais pas. Peut-être. Mais mon mari et moi, on ne fêterait jamais notre 50e anniversaire de mariage. Et jamais je ne verrai mon bébé se marier. Et jamais je pourrai tenir mes petits-enfants entre mes bras. Jamais! Constance, la vie est pleine de jamais. Jamais vous n'auriez cru avoir un cancer. Jamais vous n'auriez cru entrer dans ce musée. Et jamais vous n'auriez cru parler à un ange. Qui sait si la vie sera longue ou si la vie sera courte? Ce qui nous attend, on ne le sait jamais. Regardez ça. Certains aiment ce tableau, d'autres le détestent. Il touche les gens d'une manière ou d'une autre. Ma vie entière, c'est ce que j'ai essayé de faire. Provoquer une émotion.
En avez-vous besoin? Cela ne vous suffit-il pas d'avoir peint? Chaque tableau n'est-il pas, dans le fond, pour l'essentiel, une déclaration, une façon qu'a l'artiste de dire « Je suis là, c'est moi ». C'est ce que vous avez fait. Peut-être que vous ignorez pourquoi, que vous n'avez pas compris aussi comment, mais vous deviez l'exprimer et vous l'avez fait. Je suis là, c'est moi. Je suis là, c'est moi. C'est un sentiment que vous connaissez. Je suis là. J'étais un petit garçon, au Brésil, dans les quartiers pauvres de Rio. Ma mère était une beauté, la peau claire, ambrée, des yeux en amande. Il y avait toujours une place pour moi sur ses genoux. Et elle tombe malade. Mon père, lorsqu'elle est morte, s'est assis sous le porche, jour après jour. Il regardait fixement l'océan, comme si les vagues allaient lui donner une réponse. Je pleurais, il se taisait, le regard vide. Un jour, en montant les escaliers de la maison, je suis tombé. J'ai entendu mes os se briser. Mon Dieu, que j'avais mal. Je souffrais beaucoup. Et j'ai crié, « Papa, viens, au secours, papa !» Mais il n'a rien fait. « Papa, aide-moi, je suis là devant toi. Je suis là, c'est moi. » Il a continué à fixer l'océan. J'ai hurlé de toutes mes forces, « Papa !» Je suis là. Je suis là. Il n'a jamais quitté des yeux le bleu du grand océan. Et il ne m'a jamais plus regardé. Et personne d'autre. Personne ne m'a regardé. Personne ne s'est jamais arrêté. Jamais plus de quelques secondes. Je l'ai fait. Et notre Seigneur aussi. Je crois qu'il aime votre peinture. Il est certain que vous êtes sur la bonne voie. Oh, c'est vrai? C'est réconfortant. Il vous reste 10 minutes. Allons-y. Parlez-moi de ce portrait. Moi? Que je vous parle de ce tableau? Oui. Qu'y a-t-il dans son expression qui vous émeuve autant? C'est son regard. Elle tient son bouquet et elle a l'air de me demander si le reste du monde est aussi beau que lui. Ça fait 30 ans que je n'ai pas encore pu lui répondre. Les vrais amis savent être très patients. Elle est ma seule amie. Mais Bud, vous devez vous faire des amis, sinon votre retraite vous paraîtra bien triste. Les derniers amis que j'ai eus étaient au Vietnam et j'ai dit que je n'en parlerai pas. Vous refusez de parler du Vietnam, mais je suis presque certaine que vous vous réveillez chaque jour avec en mémoire l'image de ce qui s'y est passé. Et cette chose vous hante jour et nuit. Alors vous vous dépêchez de courir ici et de regarder le visage de cette fillette pour oublier le drame qui a eu lieu de l'autre côté du monde. Oui, madame. Racontez-moi ce qui s'est passé au Vietnam. Et dites-moi ce que ce tableau a le pouvoir de vous faire ainsi oublier. Ben Tre, c'est dans le Delta, à côté de Vinlang. 3e bataillon du 60e d'infanterie. Que s'est-il passé à Ben Tre? Rien. Pourquoi je vous raconterai tout ça, hein? Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne. Bud, vous vous cachez dans ce musée depuis 30 longues années. Mais ce soir, vous prenez votre retraite, vous allez franchir cette porte. Et une fois dehors, vous n'aurez plus d'endroit où vous cacher du monde. Vous devez ouvrir votre cœur et enchasser tout ce qui vous torture. On s'était liés d'amitié
avec des petits Vietnamiens, des gosses. Ils rôdaient tout le temps autour du camp. Ils nous rendaient de petits services. On les payait en ration, ils adoraient le chocolat. On avait envie de leur montrer ce qu'était un vrai Noël. Notre colonel n'était pas d'accord, il nous avait interdit de le faire, mais... pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de désobéir aux ordres. Donc, arrive le matin de Noël. Nous étions dans la chapelle. Tous les enfants étaient là. Je leur apprenais des cantiques et ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, mais ils étaient tellement heureux. On leur avait donné leurs cadeaux. Vous auriez dû les voir. Tout fragiles, tout petits, tenant serrés contre eux leur peluche avec du chocolat partout sur le visage. J'entends, il est né, le divin enfant. Donc, nous étions dans l'église. Les enfants chantaient. Quand tout à coup, la porte s'ouvrit brusquement et une grenade roula à terre. On n'entendit plus que des hurlements. Les enfants, tenant toujours serrés leur peluche et leur chocolat, se mirent à courir vers cette porte. Et ils prirent de plein fouet le tir des mitraillettes. Les rafales les abattaient. Comme des pantins à la fête foraine. Je n'ai pu en sauver aucun. Ça a été si rapide, ils ont couru, il y a eu le déluge de balles. Ils étaient tous à terre, dans la boue, se vidant de leur sang. Il n'y avait plus que le silence. Les enfants, les jouets et une mare de sang. Voyez-vous, c'est dangereux. Très dangereux de devenir mon ami. Je ne peux même plus regarder un enfant. Excepté elle. Elle ne grandira jamais. Elle restera toujours ainsi, suspendant éternellement sa vie, un peu avant que l'innocence disparaisse. Ils ne la tueront jamais, elle. Bud, plus que 10 minutes et on commence. D'accord, je vais faire un dernier petit tour. Ça vous ennuie si je viens avec vous? Vous êtes mon invité. Bien, on se retrouve dans le hall. Oh, Madame Weinstein, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Regarde tout ça, tous ces artistes, ce qu'ils nous ont laissé. Toutes ces merveilleuses, ces magnifiques toiles grâce auxquelles ils vivront à jamais. Et quand je vois tout ça, je me dis, et moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, au fond? En quoi j'ai été utile au monde? Vous pouvez attendre 3 minutes. Est-ce que Dieu serait fâché si je partais tout de suite? J'ai mon petit à prendre dans pas longtemps à l'école. Vous avez oublié? Il sort plus tard aujourd'hui. C'est vrai, oui. Il avait une sortie scolaire aujourd'hui. Avance-toi! Quoi, je peux regarder quand même? Ah, oh, t'as vu ça, c'est bizarre. Ouais, j'aime bien, il y a du bleu, j'aime bien le bleu. 15 minutes. Le temps est écoulé. Attendez encore un peu, s'il vous plaît. Désolée, Monica. Quel que soit le miracle que vous attendiez, il ne s'est rien passé. Ah non! Non. N'essayez pas de m'en empêcher. Je veux vous empêcher de commettre une erreur. Le miracle. La réponse que vous attendiez est sur le point d'arriver, mais il ne faut surtout pas que cette toile soit détruite. De quoi est-ce que vous parlez? Il y a une raison qui vous a fait peindre ceci. Je pense en fait qu'il y a de nombreuses raisons que pour la plupart vous ne connaîtrez jamais. Mais Dieu les connaît toutes et veut vous les dévoiler aujourd'hui dans ce musée. Oui. Bon, je vous crois. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que ma parole est vérité. Je suis un ange. Un ange? Oui. Dans ce musée, pour un court moment, un ange envoyé du Père est venu vous dire «
Dieu existe, Antonio. Et il vous aime. Et vous existez parce que Dieu vous a créé. Et il sait que l'art que vous créez est votre moyen de vous faire remarquer du Père et de dire « Je suis là, c'est moi ». Oui. Un pauvre moyen. Mais mon seul moyen. Je voulais tant qu'il me voie. Vous détestez ce tableau parce que vous ignorez pourquoi vous l'avez fait. Dieu le sait, parce que c'est lui qui vous l'a inspiré. Mais ses projets sont plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Et ils prennent leur envol ici, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites avec votre couteau? J'ai peint cette chose et je ne l'aime pas. Alors je vais la mettre en pièces. Non, arrêtez! Il n'est pas fini encore. Quoi, pas fini? Tenez, je l'ai fini tout à l'heure. C'est quoi, ça? C'est ce que vous avez oublié. J'ai oublié une plante? C'est pas vraiment une plante. C'est moi. Quoi? Vous voyez? Ça, c'est comment je me sentais quand j'étais tout petit. J'étais rien qu'une petite bosse sur le sol, que personne remarquait jamais. Mais ma maman, elle disait que j'étais comme une graine que Dieu avait plantée. Vous voyez, là c'est la terre. Là c'est les rayons du soleil. Et parfois, il faut de la pluie. Mais si vous attendez assez longtemps, vous la verrez grandir. Vous voyez? Je vois. Alors quand tu regardes ce tableau, il te permet de te remémorer ce que tu ressens. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens? J'ai envie de dire... Eh, regardez-moi, je grandis bien. Je suis là, c'est moi. Ouais. Je suis là. Je suis là. Merci. Vous vouliez savoir ce que vous aviez fait de votre vie? Vous vouliez savoir ce que vous laisseriez sur cette terre? Il est là devant vous, Constance. Votre fils. C'est lui, votre chef-d'œuvre. Morgane. Maman? Ah, regarde ce que j'ai fait. Oh oui, il est très beau ton tableau, Morgane. Mesdames et messieurs, le musée va fermer ses portes. Nous vous prions de vous diriger vers la sortie la plus proche. Tu viens? Merci. Mesdames et messieurs, le musée ferme ses portes. Désolé, monsieur. Ah, oui. J'allais partir. J'ai vu ce que j'étais venu voir. Je n'aime pas mettre les gens dehors, il faut pourtant... Bud, ce sont des amis à moi. Voici Monica et Andrew. Enchanté. Bonjour. Eh bien, dans ce cas, nous donnons une petite réception à côté. Puis-je vous offrir une part de gâteau? Oh, oui, bien sûr, j'en serais ravie. Alors, suivez-moi. Oh, mon Dieu. Est-ce? N'est-ce pas étonnant? C'est ma petite fille. Et qui êtes-vous? Amanda Erickson. Et là, c'est moi. Il y a bien des années déjà. Ça a été peint chez ton arrière-grand-mère dans le hall d'entrée. Il y avait un escalier qui partait de ce côté. L'innocence vit encore en ce monde. Bud, ce moment d'innocence est figé dans le temps par la peinture. Mais les hommes ne peuvent rester ainsi figés, ils doivent continuer à vivre leur vie ainsi que le veut le Seigneur. Je ne suis pas très religieux. Je ne suis pas en train de vous parler de religion. Non, Bud, je vous parle de Dieu. Cette merveilleuse rencontre est un signe. Et si vous ouvrez votre cœur, vous réaliserez que Dieu essaie de vous dire quelque chose d'important.
Il vous aime, Bud. Il se soucie de vous. Et lorsque vous partirez ce soir, vous ne serez pas tout seul. Vous avez des amis dans le ciel, vous avez des amis ici, dans le musée, vous les avez et les aurez toujours. Je ne mérite pas d'en avoir. Bud, vous avez désobéi aux ordres, vous avez voulu offrir une belle fête de Noël à des petits-enfants. C'était il y a 30 ans. Et depuis, vous vous reprochez la mort de ces pauvres enfants. Vous vous êtes puni en vous interdisant d'avoir des amis. Il pleuvait ce jour-là. La pluie aurait poussé ses enfants à entrer dans l'église d'une façon ou d'une autre. Cette tragédie se serait produite ce jour-là avec ou sans vous. Et comment savez-vous qu'il pleuvait? Je le sais, croyez-moi, je sais des tas de choses. Vous vous êtes accroché à ce portrait pendant 30 ans pour tenter d'oublier votre faute. Il est temps, arrêtez de vous accuser. Vous avez assez payé, il faut vivre. Alors dites au revoir à votre ami sur toile et dites bonjour à ceux qui sont là vivants. C'est bien de vous rencontrer. On a l'impression d'être tombé sur un ange. Je suis un ange, vous savez. Écoutez, nous faisons une petite fête à côté. Est-ce que ça vous dirait une part de gâteau? C'est vraiment un très beau portrait. À chaque jour, son œuvre d'art. En route, mes enfants, le musée a fermé sa porte, il est temps.